on va faire une vidéo très très courte. C'est juste pour vous montrer pourquoi les petits fruits, c'est très important quand vous débutez l'autonomie. Il y a des choses qui vont devoir mettre vraiment longtemps à s'installer, hein, vous le doutez bien, par exemple tout ce qui est arbre fruitier. Là, je vais vous montrer par exemple un pommier qui a 4 ans. Il nous a fait une petite récolte l'année dernière. Hein, je crois que j'avais fait 5 kg sur les deux pommiers, c'est pas grand chose. Et là, vous voyez, il a de belles pommes. Donc celui-ci, j'ignore la variété. En tout cas, elles sont très très bonnes, celles-ci. Et ensuite, ici, on a du Granny Smith. Moi, je les aime moins parce qu'elles sont un petit peu plus acides. Voilà. Mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Là, on aura, je pense, maximum 10 kg à peine. Alors que ça fait déjà 5 ans qu'ils sont ici. Enfin, là, on entre dans la 5e année. À la fin de cette année, ça fera 5 ans. Donc, 4 ans et demi qui sont là. Et on n'a pas encore de grosses récoltes, sachant que l'année dernière, on a eu 5 petits kilos, donc 2,5 kg par arbre. Et les années d'avant, on n'avait rien du tout. Alors que les petits fruits, vous allez avoir une production très rapide. Donc, les fraisiers, par exemple. Là, en termes de quantité, vous m'avez demandé, alors je ne sais plus si c'est sur Instagram ou sur YouTube, qu'est-ce que j'avais en quantité de fraisiers. Ben là, vous voyez, on a une grande bande ici. Tout ça, donc ça doit faire à peu près 2,50 m par 1,20 m. Donc, on va dire à peu près 3 mètres carrés, un petit peu plus peut-être. Donc ça, c'était, je les ai plantés il y a 2 ans, je crois. La première année, ils sont un petit peu productifs, mais pas trop. Et ensuite, la deuxième année, ça s'améliore. Donc ensuite, on a une ligne ici. Et ensuite, là, il y en a quelques-uns quand même qui sont par-ci, par-là, vous voyez. Il y en a là, il y en a ici sur cette ligne, qui est une ligne d'autres petits fruits. Mais comme ils ne sont pas encore très grands, j'ai complété avec des fraisiers. Donc là, vous voyez, il y a des groseilliers. Là, on ne le voit pas beaucoup, mais il y a des groseilliers à macro. Donc pour combler les vides, j'ai mis quand même un peu d'ail et de fraisiers. Mais sinon, le gros de la production, c'est sur ces deux zones. Et il y en a aussi ici et le long des rebords, là, vers les artichauts, il y en a aussi un petit peu dessous. Je viens de ramasser ce petit panier là aujourd'hui, donc on a à peu près cette quantité là tous les 2 jours, donc ça fait bien 1 kg, 1 kg 200 tous les 2 jours, donc on va dire 600 grammes par jour, 600 grammes de fruits. On a une grosse production là fin mai, début juin, parce qu'on a beaucoup de garriguettes et de sifflerettes qui sont des fraisiers qui sont non remontants. J'en ai quand même planté pour en avoir l'été. Alors je ne sais plus les variétés, j'essaierai de vous les dire si je les retrouve. Ensuite, il y a aussi cette zone ici. Donc celle-ci, cette année, elle n'est pas productive parce que celle-là, c'est la première zone que j'ai plantée il y a 4 ans. Et elle commence à être vraiment essoufflée. Il y a beaucoup moins de fleurs qu'avant. Et en fait, c'est sur les stolons périphériques, là, en fait, donc j'en avais remis leurs petits bébés. C'est vraiment sur eux qu'on a de la production. Donc là, je viens de les ramasser, donc je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il y avait. Mais bon, là, enfin, vous voyez, il y a des fraises ici qui se préparent. Mais sur les vieux pieds centraux, il n'y a pas grand chose. Donc c'est pour ça que sur les fraisiers, on dit qu'à peu près tous les 4 ans, il faut renouveler la fraiserie. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que chaque année, comme il y a plein de petits stolons, je les déplace et je les remets à un autre endroit pour créer cette nouvelle zone, pour qu'il y ait un roulement, en fait. Tous les ans, en fait, je refais une zone. Et bien sûr, il y a toujours une ou deux zones qui sont un petit peu plus productives en fonction de l'âge qu'elles ont. Je dirais que c'est entre 2 et 3 ans que c'est vraiment au max de la productivité. Alors ce qu'il y a de bien aussi avec les fraisiers, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter 300 fraisiers, vous en achetez on va dire une vingtaine pour commencer, et l'année d'après vous en avez déjà au moins 200 quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire remontant et non remontant, remontant ça veut dire qu'en fait la fructification, enfin la floraison, va se produire une autre fois, même parfois encore tellement de fois que c'est presque en continu tout l'été. Donc il y a par exemple la framboise Gold, c'est un framboisier qui est dit remontant parce qu'on va avoir une production maintenant sur les rameaux de l'année dernière. Et ensuite on va avoir une nouvelle production à l'automne sur les rameaux qui ont poussé cette année. Sachant que il y a une très courte période vers le mois de mi-juillet à début août où il va se refaire un petit peu. Et donc là, du coup, vous n'aurez pas de production, ou alors une ou deux baies par jour, on va dire, mais on va dire que dalle, quoi. Mais sinon, je trouve qu'il est productif très très longtemps. Il y en a qui disent que les remontants sont moins bons, enfin que la deuxième récolte est moins bonne. Moi, franchement, je trouve pas du tout sur les framboises Gold. Je ne vois aucune différence entre les framboises que je ramasse au printemps et celles que je ramasse à l'automne. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça permet d'avoir une production étalée sur toute la saison, d'avoir du frais étalé. Parce que sur ce qui est remontant, vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de fructification en même temps. Donc c'est par exemple le cas de mes fraisiers sifflerettes et garriguettes.
Donc là, vous allez avoir une grosse, grosse production. Vous allez pouvoir faire plein de conservations, des confitures, des sirops, etc. Mais ensuite, après, bah, vous n'en aurez plus du tout en frais. Et les frais, c'est quand même très, très bon en fruits frais. Donc, je pense qu'il faut avoir des deux. Il faut avoir des remontants et des non-remontants. C'est pas la peine, en fait, de faire le focus sur une des deux variétés. Et je pense qu'il faut tout pour faire un truc équilibré. Ensuite, dans ce qui est productif dès le début, en tout cas chez moi, il y a les framboisiers. Qui remplissent rapidement une zone. Donc là, on a toute une zone de framboisier et vous voyez que c'est tout en préparation. Donc celle-là, je ne connais pas la variété puisque c'est la femme de mon cousin qui m'a passé les pieds. Alors normalement, c'est une variété non remontante et je crois qu'elle est assez productive parce qu'en fait, comme elle était installée en maraîchage petits fruits, normalement, je pense qu'elle a pris des bonnes variétés. Et au passage, là, vous voyez que ça, c'est l'épinard du Caucase qui est en train de fleurir. Dans mes variétés préférées de framboisier, donc je vous montre celle-ci parce que je suis juste à côté. Ça, c'est la variété Ziva, Z-E-V-A. Je vous l'afficherai à l'écran. Et cette variété, je la trouve pas mal parce qu'elle fait des très gros fruits. Je vous avais mis l'année dernière une photo sur Instagram. J'essaierai de la retrouver. La différence entre les framboises gold de calibre normal et celle-ci, c'est le double en fait. C'est beaucoup plus gros. Et les petits lobes, là, vous voyez, les petits ronds à l'intérieur sont beaucoup plus gros et charnus. C'est-à-dire que la gold, quand on va la mâcher, ça a tendance à vraiment s'écraser. Ça se tient très très peu. Alors que celle-là, elle se tient beaucoup. Donc je pense que pour tout ce qui est pâtisserie, elle va être bien mieux. Parce qu'elle ne va pas s'écraser. La gold, vous la ramassez le soir, vous les lavez. Le lendemain matin, c'est de la bouillie. Ça ne ressemble plus à rien. Elles ne se tiennent vraiment pas. Il faut les manger tout de suite. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle vous n'avez pas trop de framboises jaunes sur les étals de magasins. C'est parce que ça ne se tient pas du tout. Donc s'ils les ramassent le lendemain, c'est tout foirou. Les gens ne vont pas les acheter. Voilà. Et donc le framboisier gold, il est déjà productif. En même temps que les fraises. Là, on a un amélanchier Lamarki. Donc j'en ai plusieurs variétés. J'ai l'Ovalis, j'ai le Smoky et le troisième est sorti de la tête. Et donc chacun n'a pas exactement le même goût. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc là, il faut attendre que les baies soient vraiment très foncées. Et je trouve que cet arbre est très très décoratif. Au printemps, il fait des petites fleurs blanches très délicates, très jolies. Et là, c'est pareil, ça fait des petites baies rouges. Vous voyez, c'est décoratif en plus d'être fruitier. Et c'est pas mal, hein. Franchement, c'est aussi bon que les myrtilles. C'est plus productif que les myrtilles, en tout cas chez moi. Puisqu'ensuite, après, ça fait un très très grand arbre. Donc franchement, moi, je suis plus amélanchier que myrtille, finalement, au final. Donc là, on est sur un jeune arbre qui a que 2 ans. Dès la première année, il a fructifié, mais cette année, il y en a un petit peu plus. Et chaque année, en fait, il y en aura de plus en plus, puisque c'est un arbre, il va grandir vraiment beaucoup plus vite qu'un myrtillier. Pour info, je vais vous montrer un myrtillier qui a exactement le même âge, et c'est le meilleur myrtillier que j'ai chez moi. C'est la variété Nuit. Voilà, c'est cette variété-là. Donc là, il s'en sort un petit peu mieux parce qu'en fait, il est au milieu d'un parterre ornemental qui est du coup tout le temps bien garni. Vous voyez qu'il y a plein de choses autour. Tous ceux que j'ai mis dans la partie là-bas avec du broyat au pied et personne autour, enfin, où on leur a laissé un petit peu plus d'espace. Je ne sais pas si c'est du coup, ils ont moins d'eau et ils s'y plaisent moins. Mais ils se dessèchent en fait. Ils ont extrêmement soif. Alors que pourtant, là, c'est la partie qui est la plus ensoleillée. Là-bas, c'est un peu à l'ombre. Mais ils ont tout le temps soif. Et là, vous voyez qu'en fait, lui, c'est le seul qui produit en fait. Tous les autres ont tellement soif qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur fructification. Et là, sur un petit arbre du même âge, il y en a beaucoup moins. Il n'y a que 6-7 grappes, quoi. Donc c'est pareil, celui-là je l'ai mis aussi au niveau ornemental parce que vous voyez que c'est très joli. À l'automne, il va avoir des petites feuilles qui vont devenir rouges. Là, vous voyez qu'il y en a certaines qui ont quand même des petits reflets un petit peu rougeâtres. Et les petites baies sont aussi très belles, sont un petit peu bleu-violacées avec du rose au bout. Donc je trouve que ça a tout à fait sa place dans un parterre comme celui-ci. Je vais vous faire un petit panier de présentation des différentes variétés que j'ai. Là, on est sur la mélanchier de Lamarque. C'est celui pour l'instant qui en a le plus et c'est celui qui s'est le mieux développé alors que c'est celui que j'ai planté en dernier. Vous voyez, il fait à peu près 1m40 je dirais. Là on est sur la variété Smoky, alors celui-là il s'est moins bien développé. Bon, je pense que c'est parce que vous voyez ici c'est beaucoup moins tassé, donc il a moins profité de l'humidité au sol. J'ai un petit
un petit myrtillier là qui souffre beaucoup de la sécheresse qu'on a eue, hein, 2 mois sans flotte, forcément ça se ressent même avec paillage. Et là vous voyez qu'il y a beaucoup moins de fructification, j'ai dû en manger 1 ou 2 mais pas grand chose. Voilà, c'est la même chose, hein. Exactement les mêmes baies, peut-être un petit peu plus rose celle de la mélanchée de la marque, celui-ci un peu moins. Je dirais que peut-être que celui-ci est plus parfumé et encore franchement j'ai du mal. Mais on voit bien la différence de couleur. Il est plus bleuté, l'autre est plus violacé. Alors ensuite ici on en a un autre. Alors celui-là j'ai plus son nom en tête, j'essaierai de le retrouver et de vous l'afficher à l'écran. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous en parler. Lui il a mieux poussé parce que encore une fois il est un petit peu entouré de plein de choses qui permet de faire plein d'interactions avec les autres plantes et d'avoir une ombre permanente au sol, donc plus d'humidité. Et on se rend compte qu'en fait plus c'est assez ici, mieux ça pousse au niveau des amélanchiers. Donc on a plus de fructification que l'autre. Oui. Celui-là est plus sucré. Plus sucré. Le premier, celui de la marque, je dirais qu'il a qu'un goût de raisin un petit peu. Raisin cassis. On y reconnaîtrait le raisin cassis, mais pas l'amertume, mais pas le goût désagréable du cassis. Vraiment le goût du cassis quand vous buvez un sirop de cassis, vous voyez. Donc cassis raisin. Et celui-là, on sent directement le goût de sucre. Je ressens moins le goût du... Enfin, ah, si, quand même, hein, ça ressemble, mais pas exactement pareil. Donc voilà, celui-ci, moins développé que celui de la marque, mais quand même, on voit qu'il commence à avoir une fructification. Celui-ci doit avoir 2 ans et demi ou 3 ans, je ne me souviens plus. On a encore un amélanchier. Ça se trouve, ça se dit amélanchier, depuis le début, je dis amélanchier, mais ne faites pas attention, je parle très très mal la langue française. Donc ici, on est sur la variété Ovalis, ça j'en suis sûre. Donc chez moi, les fruits sont beaucoup plus petits que les autres. Donc c'est normal, c'est la variété sauvage, on va dire, qui n'est pas censée être fruitière. Donc elle me fait des baies beaucoup plus petites, mais surtout, elle me fait plein de rejets, chose que les autres ne font pas. Là, en fait, il y en a vraiment partout, tout autour. Que ça, c'est que des petites pousses de rejets de cette plante. Alors soit rejets, soit ça s'est grainé, j'en sais rien. Et au niveau du goût, celle-là, je crois qu'elle est vraiment pas bonne. Elle a vraiment un goût désagréable à la fin. Donc celle-là, je vous la conseille pas. Je vous conseille de le laisser pour les oiseaux, éventuellement de le mettre dans l'enclos des poules. Mais voilà, moi, je savais pas quel goût ça avait. Et ben, par rapport aux autres races d'amélanchier, qui sont des variétés qui sont exprès pour être fruitières, donc qui ont été sélectionnées pour, ça n'a rien à voir. Hein. Le goût-là est vraiment désagréable. Ça, c'est un groseilla macro, donc qui est en train de tenter de sortir du buisson de framboisier. Il faudrait que je coupe un peu des framboisiers pour le dégager. Mais il commence à avoir des fruits, donc là c'est pas mûr tout de suite, hein. Le groseillier à macro c'est un petit peu plus tardif, donc là pour l'instant il y a les baies mais elles sont encore un petit peu dures, il faut vraiment que ce soit un petit peu mou pour que vous puissiez les récolter. Ensuite ici on a toute une marée de framboisiers, vous voyez. Donc là vous voyez que vous allez pouvoir jouer vraiment avec, avec les variétés de groseillers. Parce que celui qu'on a ramassé tout à l'heure qui était bien rouge, donc j'ignore la variété, je me souviens plus ce que c'était. Il me semble que j'avais acheté en jardinerie quand j'étais jeune, du style Jardiland quoi. Donc bon, variété un petit peu indéterminée. Et là on est sur la variété Rovada qui est beaucoup plus en retard. Vous voyez que la plupart des fruits sont encore verts. Donc là le groseiller Rovada, vous voyez qu'il est en retard, pas du tout mûr. Et alors là-bas, je sais pas ce que c'est, j'ai oublié. Je crois que c'est un cassissier ce coup-ci, qui n'est pas encore tout à fait mûr aussi, mais il est en train. J'ai goûté les baies, elles sont vraiment pas encore bonnes. Ouais, voilà. Ça, c'est du cassis. On le reconnaît en fait avec les petites taches blanches qu'il y a dessus sur le noir. Là, on est sur du cassis, le grain est noir. Donc là, c'est des jeunes cassissiers, hein, donc ils ne sont pas encore très très productifs, c'est tout juste le début. Donc là, on est sur un groseillier Gloire des Sablons. Alors cette variété, c'est ma préférée de tout ce que j'ai parce qu'elle a vraiment pas d'astringence, pas d'acidité comme les groseilles rouges. Ça fait quand même des gros fruits. Hein. Vous voyez que le calibre est quand même assez gros. On va prendre la plus grosse de mes petites rouges et je vais vous la mettre à côté. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup moins acide, beaucoup plus sucré. Il faut les manger quand elles commencent tout juste à être roses comme ça. Hein. C'est pour ça que... c'est super bon. Si vous avez un petit problème avec les groseilles, vous trouvez que ça vous laisse un arrière-goût après. Avec la variété Gloire des Sablons, je trouve que c'est vraiment atténué. Et quand c'est bien sucré, on le sent quasi pas.
Sur la fructification, des petits fraisiers ornementaux, variété Pink Panda, ce qui faisait un tapis de fleurs roses au mois d'avril que je vous ai mis dans une des intros de vlog et où ça faisait vraiment super joli. Et donc cette variété n'est pas faite pour faire plein de fraises, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de fleurs que de fraises en fait, mais par contre, le parfum, ça n'a rien à voir avec les autres fraisiers, rien à voir. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'elles sont pas vraiment rouges, hein, elles sont plutôt oranges. Et en fait, des fois, ça arrive que les petites graines soient noires un petit peu. Elles deviennent de plus en plus noires comme ça au fur et à mesure qu'elles mûrissent. Pour savoir si elles sont mûres, en fait, je tire et si ça se détache du pédoncule, c'est que c'est mûr. Donc, c'est pas comme la fraise où on coupe la tige. Là, je tire dessus, en fait, il y a ça qui vient sans le vert de la fraise classique. Bon, elles payent pas de mine, elles ont l'air pas super bonnes, elles ont l'air toutes sèches quand on les voit comme ça. Et en fait, je vous assure que quand on croque, c'est un truc de fou, quoi. C'est le meilleur goût de fraise. Honnêtement, toutes les fraises que j'ai goûtées, c'est le meilleur goût. J'ai jamais vu un goût comme ça. Ça mériterait d'être sélectionné pour faire des grosses fraises. Parce que vous voyez qu'elles sont quand même toutes petites. Bon, ça arrive des fois qu'il y en ait des plus grosses. Là, à cause de la sécheresse, c'est encore plus petit. Mais elles sont quand même de calibre petit. Donc ça, franchement, je crois qu'Adèle, elle en voit pas souvent la couleur parce que il y en a pas beaucoup. Donc dès que j'ai ramasse, hop, j'ai grappille. C'est super bon. Donc voilà, je vous conseille d'essayer si vous avez des parterres ornementaux. Alors faites pas une fraiserie de ça parce que c'est pas productif dans votre potager. Ça sert à rien. Par contre, si vous avez un coin où vous voulez mettre des petites fleurs roses qui sont très tapissantes, qui vont se multiplier très rapidement pour éviter les mauvaises herbes de pousser, un talus, un truc comme ça, vous mettez ça, c'est super beau. Avril, c'est tout rose, et puis après vous mangez ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur un pied, je sais pas, il y en a peut-être 4-5 parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont un peu stériles, mais franchement, oh là là, oh, c'est trop bon. Là on est sur un petit tapis de fraises des bois, donc je les ai mis au pied d'un arbre, au pied d'un pêcher. Ça permet aussi de garder l'humidité et de bien recouvrir tout. Pas trop de mauvaises herbes qui poussent, alors ça arrive hein, qu'il y en ait 2-3 là-bas. Vous voyez par exemple, il y en a quand même qui ont réussi à sortir en bord de parterre. Mais par contre, vous voyez, au sein du parterre, ça va. Alors là, il y a des petites choses qui ont mangé les feuilles. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que sur ce fraisier-là. Tous les autres fraisiers n'ont rien. Elles sont toutes petites, mais elles ont du goût. Voilà, donc on va en ramasser un petit peu pour notre petit carrousel qui fait le tour de tous les fruits rouges du mois de juin. Et voilà, donc là je pense que je vous ai fait le tour des variétés que j'avais début juin. Je vous referai une vidéo dans quelques semaines parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Des muroises, des ronces sans épines, des framboisiers, d'autres variétés. Il y a le héritage qui va arriver. Il y a le polar berry qui fait des espèces de framboises toutes blanches avec des gros lobes. Donc ça c'est la première année que ça fructifie, donc je sais même pas encore quel goût ça a, donc je vous dirai ça. Il y a plein de trucs qui vont arriver, j'ai vu qu'ils sont en fructification. Les framboises diva aussi qui sont très grosses, qui sont pas encore en production. Donc là je vous ai fait vraiment un petit panel de tout ce qui est en train de produire en ce moment. Sachant que les choses les plus productives, parce que aussi j'ai énormément de pieds, c'est les fraises. Donc là je vous en ai mis, en plus c'est pas les plus grosses, hein, c'est plutôt des petites fraises que je vous ai mis. Pour vous montrer à quel point c'est gros par rapport à ces petites fraises toutes petites. Donc ça c'est la variété Pink Panda. Et encore pire, les fraises des bois, vous avez vu comme c'est encore plus petit, rikiki. Donc choisissez bien vos variétés. Si vous avez un petit jardin, vous restez sur la classique, la fraise normale. Ne vous orientez pas sur ces fraisiers là parce que vous allez gaspiller de la place pour pas grand chose. Si vous avez un très très grand jardin, voire une forêt, vous pouvez vraiment vous permettre de planter ça. Parce que ça rejette énormément, donc vous pouvez... donc là, je les ai plantés, là les Pink Panda, je les ai plantés en 2020, pendant le confinement. Et j'ai planté que 2 petits pieds. Et là, ça m'a recouvert une zone de pratiquement entre 10 et 15 mètres carrés. C'est énorme, hein, je suis à peut-être au moins 500 petits pieds. Donc si vous voulez vraiment recouvrir une zone très rapidement, prenez cette variété. Vous aurez toujours des petits trucs à grappiller comme ça. Et je vous assure que c'est super bon. C'est pas parce que la couleur paye pas de mine, hein, vous voyez que c'est très fade par rapport aux fraises normales, mais je vous assure, c'est trop bon. Ça a un goût vraiment puissant. Voilà, ensuite on a les framboises jaunes, je vous ai mis à côté les framboises rouges. Niveau du goût là, ça n'a rien à voir, celles-ci sont très puissantes. On retrouve vraiment le goût de la framboise très fort. Ceux qui n'aiment pas l'acidité de la framboise, vous allez aimer celle-ci. Ceux qui adorent l'acidité, le petit goût de framboise, vont moins aimer celle-là. Ensuite, sur les amélanchiers, ne prenez pas la variété ovalis qui est la variété sauvage. Vous le réservez pour vos poules, pour une émélifère, pour les petits oiseaux. Mais pour vous, si vous voulez vraiment quelque chose de très bon, vous vous orientez sur des variétés qui ont été sélectionnées pour ça. Groseillier, si j'en ai qu'un seul à vous conseiller, c'est le Gloire des Sablons.
groseille plus grosse, moins très acide, désagréable que la groseille rouge. Alors par contre en confiture, délicieux, hein. Celle-ci elle est super bonne. Je la mange pas comme ça moi d'ailleurs, je la fais quasi que en sirop et en confiture. Celle-là, même en frais comme ça, super bon. Donc sur ce, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura donné des idées ou au contraire que ça vous aura décidé à ne pas acheter certaines variétés si vous doutez. C'est vrai que dans les vidéos forêt jardin, présentation de plantes, on vous présente beaucoup de plantes et puis au final on vous montre pas vraiment ce que ça donne parce que c'est des trucs qui ont été plantés récemment donc on sait pas encore. Et en fait je me rends compte avec le recul quand il y a une fructification que c'est pas ouf. Par exemple la mélanchier au Ovalis, il me semble que j'ai déjà dû vous dire que c'était intéressant ou quoi, parce que c'était comestible, sauf que j'avais pas encore eu de fructification. Moi dans les bouquins ils m'avaient dit que c'était comestible, je m'étais dit c'était bon, en fait c'est pas ouf quoi. Et là j'ai vraiment un retour où j'ai goûté et où je peux vous dire, alors bien sûr les goûts et les couleurs c'est propre à chacun, mais enfin bon, quand on fait vraiment la gueule, quand on mange un fruit, je pense qu'il y a quand même moins de gens qui l'aime plutôt qu'une variété où on se dit c'est délicieux. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un retour avec le fruit et quelqu'un qui le goûte vraiment.